Bonsoir à mes sœurs, mes mamans, mes tantes. J'aimerais vous faire mon témoignage par rapport à mon vécu concernant la dépigmentation. J'aimerais faire ce témoignage à toutes mes sœurs qui se dépigmentent la peau et qui ne sont pas prêtes d'arrêter, comme à celles qui sont sur le point d'arrêter. J'ai dit mes sœurs, mes mamans, parce que j'ai 21 ans et j'ai commencé la dépigmentation très tôt, à l'âge de 13 ans. Et, ah tiens, je n'avais pas précisé, je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire et voilà, j'ai commencé à 13 ans. Et je tiens à préciser que pour moi, personnellement, c'était pas volontaire au début, mais j'ai continué volontairement parce que après c'était mon choix. Et comme toute jeune fille, l'âge de 11, 12, 13 ans, elles font pas les courses toutes seules. C'est soit la mère ou la tante qui achète les produits dont les enfants ont besoin. Et moi, personnellement, c'est ma mère qui m'achetait pratiquement tout ce dont j'avais besoin. Et donc, j'ai commencé à utiliser un produit. Je ne sais pas si elle a fait une erreur lorsqu'elle a acheté, mais j'ai commencé à l'utiliser. Et après 2 semaines environ, 3 semaines, quand je sortais à l'école, même les maîtresses me complimentaient. Ah, tu as clairci, tu es devenue belle, qu'est-ce que tu utilises? Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être bon, donc je vais rester là-dessus. Et à partir de là, j'ai fait le choix de continuer à utiliser les produits éclaircissants. À partir de ce moment-là, c'était mon choix. Donc, j'ai continué et à partir d'un moment, j'ai trouvé que ce que j'utilisais n'était plus assez fort, quoi. Donc, j'ai utilisé un autre produit plus fort. Et c'est ainsi de suite que je suis allée un peu, jusqu'à devenir blanche. Et j'ai fait ça de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ans. Il y a à peine 5 mois que j'ai arrêté. Et le déclic pour moi, c'est lorsque j'ai quitté mon pays pour arriver au Maroc. Enfin, il y a quelqu'un qui est très cher à mes yeux qui m'a dit, même sans t'éclaircir la peau, tu es belle, en fait. Ce ne sont pas les produits éclaircissants qui te rendent belle. Enfin, j'ai pris ces conseils au sérieux et en compte parce que il compte beaucoup pour moi, c'est tout. Et ce qu'il disait, j'ai vu que c'était, en effet, c'était vrai. Coucou, bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis la petite nouvelle, je m'appelle Aminata, j'ai 21 ans, je suis ivoirienne. Et je suis étudiante en deuxième année. J'espère que je vais m'y plaire dans ce groupe. Allez, bisous. J'aurais jamais imaginé dire ça un jour, mais en fait, c'est du gâchis. C'est jeter de l'argent par la fenêtre et nous exposer à de nombreuses maladies, comme le cancer, beaucoup d'infections, et nous rendre plus vulnérables, vous voyez. Au début, je sais que c'est difficile quand on veut arrêter parce que on n'accepte pas forcément l'apparence qu'on voit dans le miroir. On se trouve encore plus moche qu'avant. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras parce que la peau, elle ne va pas rester comme ça. C'est tout un processus. Je pense qu'il faut au moins 6 mois. Et moi, j'ai même pas encore fini
ma peau n'a pas encore trouvé toute sa splendeur, mais au moins il y a des résultats. Mais au début, je tiens à vous rassurer que ce n'était pas vraiment beau à voir. Il faut vraiment être courageuse pour décider d'arrêter. Mais c'est nécessaire. Et même pendant ces 8 années où j'ai eu à me dépigmenter la peau, en fait, je me souciais vraiment pas de ma santé. Parce que souvent, je remarquais des plaques, des grosses plaques sous le sein. Et ça ne m'inquiétait pas. J'étais complètement indifférente. Or que c'était peut-être des signes. Et ces plaques-là, elles partaient, elles revenaient, elles partaient. En fait, je les cachais. Je savais que c'était à cause des crèmes éclaircissantes, mais je continuais quand même. C'est vraiment, vraiment nécessaire parce qu'il en va de notre santé et de notre bien-être. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais en fait, c'est la vérité. C'est pour vous. Et moi, le seul regret que je peux avoir aujourd'hui, c'est que tout cet argent que j'ai mis dans les produits éclaircissants, j'aurais pu le prendre et faire autre chose, c'est-à-dire investir pour notre continent. Ça aurait déjà été bon. Thank you.